Ce qui est sûr, c'est que la personne qui m'a le plus influencé à mes débuts, c'est le sculpteur Calder, hein, qui a beaucoup travaillé avec le personnage, avec le fil de fer, qui a beaucoup travaillé sur les mobiles et cette notion d'équilibre précaire. Moi, j'aime beaucoup ça aussi dans mon travail. Après, je suis très, très touché par l'art brut. Ce courant artistique de personnes qui n'ont aucune formation, qui tout d'un coup se mettent à faire des sculptures, des peintures, simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est vital. Et c'est souvent d'une très grande naïveté et d'une très très grande force, d'une très très grande beauté. Donc moi, il y a énormément d'artistes de l'art brut qui me touchent. Et puis si je vais plus du côté de l'illustration, j'ai été quand même assez rapidement sensibilisé au travail de Tommy Ungerer. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu un livre pour enfants où je me suis dit ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et où j'ai l'impression que les gosses ne sont pas pris pour des imbéciles. C'était un livre qui s'appelait Pas de baiser pour maman. Toute ma création, elle s'articule autour du personnage, hein, de la figure humaine ou animale, du rapport entre les deux parfois. Ce sont des personnages simples, c'est jamais des super-héros, c'est des gens qui essayent de se coltiner avec la vie, avec la mort, avec les autres. Et voilà, c'est juste des histoires toutes simples, de gens tout simples.